Salut à tous! Bonjour, 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 comment ça va? Bon, vous vous en doutez, on va faire du... Attends, il va, le micro. On va faire du Need for Speed parce que je suis arrivé à la deuxième qualification, j'ai progressé de mon côté, il nous reste une nuit pour gagner une bagnole. Je sais même plus ce qu'on doit gagner, on gagne une voiture, c'est sûr. Et après, le lendemain, qualif. Et je me suis fait un petit peu d'argent, on va regarder ça ensemble. Pop-pop-pom. Où est-ce que c'est? Admirez ça. Il y a un petit peu de thunes qui sont arrivées, 275 275 dollars, ça fait plaisir. Au niveau des... Oh, oh, oh. Il s'est passé d'autres choses incroyables. Donc déjà ma voiture, voilà, elle tourne bien, ça roule plutôt pas trop mal, hein. On va pas se plaindre. Comment ça se vend ce truc, par exemple, si je voulais la vendre? Hop, 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 je suis allé un peu loin. Où est-ce qu'elle est ma voiture, mais où? Ah, vu que je suis équipé, je peux pas regarder son prix, tu te fous de moi? Bon, j'ai pas envie de la vendre. Toutes mes voitures. Alors, j'ai débloqué ceci. Prenez-en de la graine, admirez, regardez comment c'est beau. Regardez ça, comment on voit la terre, comment c'est beau. Et comment j'ai débloqué ça? Et ben, j'ai débloqué tous les tags. Tranquillement dans mon coin, j'ai débloqué tous les tags. Et une grande majorité, j'ai fait quasi tout sans carte. Finalement, les tags se trouvent assez bien. C'est jamais trop compliqué, et puis il y en a pas tant que ça, enfin pas tant que ça, il y en a 80. Mais déjà, juste avec les lives, j'en avais débloqué plus de 60 à la finalité. Donc il restait plus grand chose à débloquer, et j'ai eu ceci, cette petite bête. Ça va être très bien, parce que comme ça, oh, regardez, on a... Ouais, celle-ci, je sais plus si je vous l'avais montré, j'ai débloqué, j'ai gagné ça aussi, je sais pas si je vous l'avais montré. Ah, ça a de la gueule aussi, hein. Bon, on a débloqué pas mal de trucs, propos depuis le départ, on avait gagné ça, celle-ci... Celle-ci, celle que j'ai eu au départ, on a celle-ci, 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 celle-ci qui est... Je préfère la version de James Bond, et la mienne. Donc on a la A+, on a la S, et en plus elle est déjà S quasiment au maximum. Donc elle est parfaite. On a... Ça c'est une... On a la A, il ne manque que la S+. Et ça, et ben ça va venir, ça va venir. Le problème de celle-ci, c'est qu'elle est 100% route. Pour le drift, comptez pas dessus. Et c'est ça qui me dérange un petit peu. J'ai envie de créer une version A+, ou S. Ou surtout une S. Parce que le problème de la S, ça va être... c'est la S. C'est que... C'est fait pour la vitesse. Et là, ça nous pose un petit problème. Parce qu'il y aura quand même du drift dans tout ça. Pour l'instant, je garde la mienne. On va aller se balader un petit peu. Mon personnage l'a un petit peu retravaillé aussi. Hein. J'aime bien la changer. A, A+, S. C'est fait. S+. Et j'ai regardé s'il y avait moyen de gagner une S+, par des moyens à détourner, mais non, on peut pas, donc... Mais actuellement, l'argent n'est plus trop un problème. Je me peinais qu'on pouvait pas gagner trop d'argent, finalement tu gagnes suffisamment d'argent. Mais le problème, toujours, c'est que je trouve que t'es limité, en fait, dans le temps. C'est la pression que veut te mettre le jeu, c'est un peu dommage. Mais tout ça, on verra ça dans la vidéo complète. C'est celle-ci, non, c'est celle-ci. Une Mazda RX-8, oui, on verra ça tout ça dans la vidéo complète qui sortira prochainement. Mardi, j'attaque le tournage, lundi ou mardi, j'attaque le tournage de la vidéo Need for Speed en extérieur parce que forcément, hein, il faut que les acteurs soient disponibles, c'est-à-dire moi, Déborah et un troisième, sûrement Thomas qui viendra. Il me faut l'emplacement, il me faut deux voitures, en espérant qu'il fasse beau surtout parce que s'il ne fait pas beau, ça va être compliqué de tourner, surtout que tout est en extérieur. Et vu les scènes que j'aimerais faire, il faudrait qu'il fasse beau. Mais le problème, c'est que je ne peux pas gérer la météo. Je peux gérer beaucoup de choses. Et encore, pas autant que j'aimerais gérer. Mais le problème, c'est... C'est je ne peux pas gérer le temps. Et ça, c'est compliqué. Attends. Ah, il est là, le panneau. Allez, à plus. Est-ce que j'y arrive direct? J'y arrive direct. Hop, attends. Donc ouais, pas pouvoir gérer le temps, c'est un peu chiant, la météo. Mais que voulez-vous, c'est comme ça, donc on va croiser les doigts qu'il fasse beau et qu'on puisse tourner dans de bonnes conditions. Mais normalement, la vidéo Need for Speed ne serait tardée. Et donc j'aborderai tous les plus, les moins. Est-ce que je pense qu'il est... Est-ce que c'est le meilleur Need for Speed? Est-ce que c'est le moins beau? Parce que, écoutez tout le monde, c'est le pire Need for Speed qu'on ait pu avoir. Je pense que les gens ont oublié les précédents. Oui, de toute façon, c'est ça qu'on faut, 16 000 dollars, je les ai, les 16 000 dollars.
Et on va faire un petit pari pour éviter de perdre trop. Hein. 15 minutes 2, c'est mieux que 16 000. Enfin, la M4. Oui, ça y est, la M4. Et justement, je parlais de toi en plus. Sur le fait qu'il va falloir qu'on trouve le temps maintenant pour tourner si possible semaine au début, très très début de semaine prochaine, si je, on n'aura pas trop le choix. Je crois qu'on n'aura qu'une journée pour tourner peut-être, donc il faut qu'on se cale. Mais enfin la M4. Et ouais, ça roule pas trop mal une M4, hein, ça se fait. Hein. Ça se roule. Hein. On va dire que si on me l'offre, je serai un des hommes les plus heureux du monde, je pense. C'est sûr. Moi, j'ai envie de le défoncer, de le percuter direct. Bon, au niveau vitesse, pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Oh, j'ai réussi à l'esquiver parce que je sentais qu'il voulait me percuter, ce salopard. On va pas faire un milliard de courses, parce que réellement, pour l'instant, j'ai de l'argent, c'est pas trop le problème. Et j'ai envie d'avancer dans l'histoire, et je pense que c'est un peu ça le truc, c'est que j'ai beaucoup farmé l'argent. Et j'ai l'impression que le jeu, en fait, c'est pas le but du jeu. C'est pas ce que le jeu attend de nous. Et il est plus rapide que moi, lui, là, à côté, c'est moi. Ouais, c'est ça, et casse-toi. Et il est pas mort. Et il s'est pris de voiture en pleine face. Comment ça, t'es pas morte? T'aurais dû être KO, déjà. Le problème, c'est... Hop. Elle est agressive. Oh, je pars en vrille. Ah là là. Je me suis un peu planté. Et elle roule. Et elle roule sacrément bien, sa bagnole. Je rappelle que j'ai une classe A plus montée au max. Et au niveau vitesse de pointe, elle me fume. C'est dingue. Et mine de rien, attends, c'est quoi cette histoire? Attends. Je vois qu'on se rapproche des de la fin. Si, là je suis en train de perdre mon calme, mais bien comme il faut. J'ai pas envie de recommencer. Oh, elle va me fumer. Elle va me fumer. Elle me fume. À quand un live ensemble sur Horizon de, je l'ai en plus Horizon 5. Ah non, mais j'ai gagné. Mais le problème, c'est que j'ai pas gagné la voiture, donc je réessaie direct. Ouais, ma voiture est explosée. Pourtant, j'ai rien tapé. Ah oui, c'est des bugs, oui. T'entends, il y a des bugs. En fait, ça te met la voiture la plus pétée possible. Et qu'en fait, elle est pas du tout comme ça, ta voiture. Il y a des petits bugs, ça arrive. De toute façon, des bugs, vous allez en voir. Hein. J'ai prévu des petits rushs de bugs que j'ai pu avoir. Et il y en a qui sont pas mal. Hein. Ah, il y en a des beaux. Hein. Ah, il y a des belles bêtes. Hein. Bon, en tout cas, si l'autre elle nous rattrape, faut pas la laisser passer. Ah, je pensais avoir fait avoir frôlé, pas du tout. Par contre, là, la difficulté elle est montée à cran ou c'est moi? On va essayer d'utiliser aussi de la nitro parce que l'autre elle arrive à pleine vitesse. Hein. Il va falloir que j'utilise plus de nitro. Elle rattrape. Hein. Je vais essayer de l'emmerder un peu. Regarde, elle est juste là. Si je l'embête pas. Oui, je vais te faire une queue de poisson autant que je peux. Hop, c'est bon. Parfait, c'est ce que je voulais. J'étais concentré, mais je voulais vraiment qu'elle se tape la bagnole. C'est salaud de ma part, mais... Non, mais vous n'avez pas tout à revenir en tête, là, c'est bon. Non! Je suis dégoûté. Ah, purée. Non, c'était trop bien, là. J'étais trop bien parti. Je suis deg. Ah, je suis deg. J'ai les boules. Ça servait à rien de continuer, je recommence direct. Hein. Dans les courses, dans Need for Speed, les recommencer sont plus qu'utiles. Parce que réellement, tu te plantes, tu fais une erreur, tu peux recommencer direct. Hein. Ça sert à rien de continuer les courses. Hein. T'as perdu. C'est impressionnant. C'est le rare Need for Speed où si jamais tu te plantes, c'est fini. Tu ne rattraperas jamais les autres.
À moins que tu te plantes dans les 10 premiers pourcents. Hop, alors on va essayer de continuer. Comme si je ne peux pas frôler. Vu que je suis en sens inverse, profitons-en pour user la barre pour récupérer. Il m'a fait peur. On va essayer de faire en sorte qu'elle se reprenne à nouveau une bagnole. Le problème, c'est que la Nitro, réellement, tu t'en sers surtout pour essayer de reprendre de l'accélération, mais ça te sert pas du tout dans, en tant que vite pour prendre de la vitesse. Attends d'arriver. Bam, parfait, merci. C'est cadeau. Écoutez, je reste concentré. Faut rester concentré. Ici unité de patrouille. On engage la poursuite avec notre suspect. Je me suis fait avoir bêtement. Ah, c'était juste là, je me suis fait avoir mais tellement bêtement, c'est dingue. Allez. Je prends un peu de sens inverse, ça permet de remonter un petit peu la barre. Toi, viens pas me faire chier. Ne rentre pas dedans. On a 85%, normalement elle est assez loin pour pas qu'elle puisse me rattraper. C'est bon, la voiture est à deux. À moins qu'il y ait un mur invisible, parce que ça m'est déjà arrivé aussi. J'ai eu des murs invisibles où en pleine course, et ben dans le sol, il y avait un petit mur et ma voiture s'est explosée dedans. Ça m'est arrivé sur. C'est des trucs où il faut tout péter. Ah voilà. Et ben voilà qui fait plaisir. 3, 2, 1. Si vous bien restez par là, ça m'arrange. Oh ça drift, oh ça drift, oh c'est beau, ça drift. Pourquoi ça drift pas comme ça durant les compétitions? Non. Y'a rien du tout, t'as rien trouvé. J'étais déjà trop loin, mec, tu n'as vu qu'une ombre. Je suis la nuit. Je suis la justice. Je rentrerai pas chez moi avant d'avoir retrouvé notre suspect. Et c'est reparti pour un tour. Oh, je t'avais pas vu, désolé. Tout terrain. On vient vous aider à coincer cette racaille. Attention, notre suspect s'en sert sur Southland Drive. Quelqu'un voit la cible ? $1000 en plus, c'est cadeau. Notre suspect a disparu près de Southland Drive. Hop. Et c'est vrai que maintenant que j'ai une voiture plus puissante, c'est quand même bien cool parce que pour semer les flics, c'est un gros avantage. C'est vraiment cool. Ils m'emmerdent beaucoup moins. Par contre, dès que tu arrives à 4 ou 5 étoiles, ah le SWAT, mais comment il rigole pas? Comment il te suit partout? Hop, $500 en plus, c'est cadeau. Qu'est-ce qu'on a comme épreuve avant de rentrer? Que j'ai débloqué des planques un peu partout. Ce qui est plutôt cool. Et là, j'ai vu qu'il y avait une course qui ramenait pas mal. Hein. 6000 et ça me rapporte 24 000. La carte, bah pourquoi? Ça m'a viré la carte, merci. 24 000 $, c'est prenable, hein, ça se fait. Hein. Et c'est une course de rue. C'est tellement loin. Le problème souvent c'est quand je veux aller sur une course, il y a l'autre qui m'envoie sur une mission à chaque fois. Mais c'est le monde à l'envers. La plupart. À chaque fois le débat comme mode mais non, il faut que tu me fasses une livraison, il y a des gens qui se sont plantés en bagnole. Non. Où êtes-vous encore sans esprit? Chier quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que les flics n'ont plus qu'une idée en tête. Ah, c'est un fixe en face. En mettant en danger la vie des jeunes pilotes. Est-ce vraiment nécessaire? Bien dit, les clubs. Bien dit, c'est clair. Jusqu'à quel niveau tu peux faire une poursuite? Ma voiture qui pète dans tous les sens. Quoi. Attends, on va essayer de tourner par là. Parce que si elle peut éviter de me voir, ça m'arrangerait. Bah, c'est bon. Il a juste cru. Alors, bah il est disparu le flic en face? Ça m'arrangerait, hein. je dis pas non. Ah non, il est là. Il a juste roulé très vite. Ouais.
J'ai déjà fait plus rapide que ça. Ah, police en face. Si je passe assez vite, normalement il me repère pas. Le problème, c'est que lui aussi, il faut pas qu'il me repère. Je suis entre deux feux là. Bah bravo la police, ça passe et ça pète la barrière en plus. Bravo. C'était pas obligatoire, mais je le prends. Est-ce que je peux revenir? Parfait. Et en plus, ça m'amène sur une voie, il n'y a pas de policier. Tout va pour le mieux. Ah, j'avais espéré gagner un peu d'argent. Mais d'un côté, j'ai gagné une voiture. Est-ce que c'est déjà pas mal? Ce n'est pas une bonne soirée. Ah, j'espère juste que maintenant, le problème, c'est que durant les courses, quand il y a le SWAT qui te poursuit à la fin, eh ben, il faut réussir à les lâcher. Donc j'espère juste que j'aurai lâché les flics avant la fin de la course. Je m'embête avec la musique, mais est-ce que je devrais pas la supprimer directement? Parce que oui, c'est bien pour vous, c'est fun. Mais moi, derrière, quand je dois les remettre sur YouTube, comment je galère. Je crois que c'est ce qui va se passer. Désolé pour votre bonheur, mais je tiens aussi à mon bonheur. Audio. Voilà. Et on aura le doux bruit des moteurs en échange. J'aurais peut-être dû faire ça depuis tous les épisodes que j'ai tournés. Bon, normalement, si on joue pas trop mal, il y a moyen que je passe. Entre les drifts et tout, ma voiture elle tient la route pour ça. Il y a moyen qu'on fasse un truc propre. Et si c'est pas le cas, bah tant pis. Attends, je pense pas que je vais perdre de l'argent pour autant. J'essaie de gagner de la nitro, mais ça me fait finalement perdre de la vitesse, donc ça me sert strictement à rien. Ah, ça sert à rien, ok, on va prendre juste la route, on va suivre le mouvement. Rien ne sert de courir, le tout est d'arriver à point. J'ai fait n'importe quoi, mais ça passe. Je sais pas, des fois je gagne de la nitro, mais j'ai pas regardé comment ça se fait. Je vois ma barre qui grandit parce que je prends un virage et que ça se passe bien apparemment. Ah, je pense que ça va être compliqué de les semer sur ce circuit là. Dernier tour. Est-ce qu'on aura 5 étoiles et qu'on va devoir fuir 5 étoiles? C'est-à-dire hélicoptère, SWAT, guérilla. Virage en adhérence, d'accord, c'est que je fais des virages en adhérence, cool. Donc le drift c'est bien, mais l'adhérence est cool aussi, j'ai failli faire n'importe quoi. Pour l'instant j'ai hâte d'avoir un peu semé quand même. Oh là là, non mais putain, pas devant moi, c'est le dernier tour. Moi j'essaie de te semer. Ouais, ils sont tous derrière, bon c'est mort. Ils sont tous derrière, on va devoir faire la course. Fait chier, avec 5 étoiles. 18 750 $, ça valait le coup si je me fais pas arrêter. Pareil, j'ai des bugs des fois quand ça s'affiche cette image. Le actif, ça bouge avec inactif et tout, ça te met à trembler. Et une fois de plus, regardez, ma voiture c'est un bug qui arrive très souvent, regardez. Elle a l'air toute pétée alors qu'elle est en pleine forme, j'ai pas pris un choc. Et d'un coup, elle va se remettre bien comme il faut. Ici, l'unité lourde. On prend le relais. Alors, réellement... Oh, voilà, je ne voyais pas du tout. Je vais comme un pied. À toutes les unités. Unité d'interception entre en piste. Là, oui, ça va être problématique, là. Je vois pas où je vais. Et voilà, ma voiture, elle s'est remise normale. On est à
Il faut que j'arrive à... Oh non! Oh non, bah ça va être compliqué. Ça va être complexe. Ah merci, continuez à vous rentrer dedans. C'est pas... Je pensais pas qu'il y aurait un mur. C'était pas prévu. Parce que le plus simple vraiment pour les semer, c'est de partir dans la forêt et de te tirer. Dès que l'hélicoptère en fait il a plus de carburant, il se barre. Et à partir de là tu peux y aller. Voilà, et après il faut les emmener là-dedans et tu les fais tourner en bruit. Centrale ici, l'unité banalisée. On est foutu. Et souvent en fait ils se plantent tout seuls comme des nuls. Oui, moi aussi je vais me planter. Et il faut rester là et vous tourner comme des nuls. Oh là là, il y a les renforts qui arrivent. Oh non, mais j'ai vraiment pas de bol. J'ai tellement pas de chance. Il fallait qu'il y ait un arbre à cet endroit là. D'un côté je suis en pleine forêt. Allez, on se tire. Renfort. Oh là là, il fallait qu'il y ait les renforts en plus. Oh, mais c'est quoi cet arbre qui se met en plein sur ma route? Oh là là! J'ai tellement pas de chance. J'arrive pas à trouver un moyen de fuir proprement. Le SWAT, alors eux, tu te barres! Tu cherches pas à comprendre, mais en plus j'ai quasiment plus de vie. Le SWAT, tu te barres! Si j'arrive à aller sur là, normalement si c'est une, je peux la semer. Oh, j'aurais dû sauter, j'étais bête. J'aurais pu sauter là aussi. Normalement sur l'autoroute, je suis censé être plus rapide qu'eux. Normalement, il devrait pas avoir de problème. Roule ma belle, roule! Montre-leur ce que t'as dans le... ils ont pop juste derrière moi. Ça c'est à peine vu. Ils ont pop juste derrière moi, c'était magnifique. Waouh! Et comment je booste? Je sais pas si je conduis trop bien, en tout cas je fonce. Je fonce. Il faut juste que je trouve un endroit pour me planquer. Genre ici c'est peut-être pas mal. Aller par ici. Et aller me planquer jusqu'à ce que j'ai fini l'évasion. Genre là, il recule. Au moins il n'y a pas d'hélicoptère. Je suis planqué. Non, attends, je suis caché. Sérieusement, j'étais planqué. Et le mec, il a des yeux bioniques, il voit à travers les murs. Oh! Les yeux bioniques du flip, quoi. Faut que j'arrive à les semer avant. Ma voiture commence vraiment à morfler. Oh! Merci, alléluia! Ah. Bon, il faut choisir un endroit plus safe. Un endroit safe où il ne voit pas à travers les murs. Oh, purée, et maintenant il y a l'hélico qui est juste là. Si j'arrive à tourner pour pas la voir, pas qu'il me voit. Est-ce que c'est normal ce que je suis en train de faire? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de normal ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est comme ça qu'on est censé conduire? Est-ce que ça ressemble à une conduite logique? Et les mecs, ils sont chauds. À toutes les unités, on nous signale le véhicule de notre suspect en visuel. Saleté d'hélicoptère. La forêt, les arbres, tout ça, la nature, c'est très très beau. Ouais, ça devient compliqué là. C'est la première fois qu'ils me mettent autant en difficulté. Non! Avance! Avance, voiture!
Faut juste pas que le SWAT il me percute, parce que s'il me percute, je vais avoir tellement mal. Ça y est, enfin l'hélicoptère il se barre. J'ai pas eu de bol. L'hélicoptère est revenu pile sur ma position en plus. Les mecs ne lâchent rien. Les mecs ne lâchent rien. Oh là là, non mais encore l'hélicoptère, mais lâchez-moi avec vos hélicos. Oh là là. Aïe ma voiture. D'un côté j'arrive à péter les voitures des flics sans même les toucher. Bon attends, on va arrêter les conneries, on va aller en direction d'une planque en même temps parce que là sinon ça sera interminable. Il y en a une qui est là. Quitte à fuir, autant aller en direction d'une planque. Faut juste que l'hélicoptère me lâche s'il veut bien. Ici le central, les renforts arrivent dans quelques minutes. On en a plus pour très longtemps. La cible se sent pousser des ailes. Aïe purée, mais j'ai pas de bol avec ces putains d'arbres. J'ai tellement pas de chance. C'est ça, casse-toi, va. Allez. Saleté d'hélicoptère qui te lâche pas quoi. Hop, on passe par là. J'ai pas de chance. Mais c'est impressionnant le nombre d'arbres que j'ai eu droit sur ma route. Hop, allez. Et bah il te lâche pas ces sales bêtes. Mais la pression le jeu. En tout cas, la voiture est passée, elle a tenu. Franchement, il y a un moment, j'ai cru qu'elle tiendrait pas. Il y a un moment, j'ai vraiment cru que c'était la fin. Allez, c'est bon. Au moins, j'ai rempli des missions. Et je vous dis, en 5 étoiles, les mecs, ils te lâchent pas. Échapper une porte policière 2000, allez hop, c'est un cadeau. Fais voir, toutes mes voitures, qu'est-ce que, où est-ce qu'elle est. J'ai gagné celle-ci. Voilà, un style. Hein. Elle est quoi. Elle est drift à fond, c'est pas mal ça. Par contre, elle est B, à part que. À part qu'on l'améliore sacrément. Mais elle est full drift. Mais le problème, c'est qu'elle est vraiment pas puissante. Quoi. C'est un bébé, le truc. Hein. Faut vraiment lui mettre un autre moteur. Fais voir ce qu'elle a comme moteur. Le bah. Elle passe en S direct, par contre, là. Tu lui mets un petit V10 sous le capot. Non, mais le V10 coûte le prix d'une bagnole. Pourquoi je m'embêterais à mettre un V10 là-dedans? Je préfère largement acheter directement une voiture qui soit qui est prête pour. Allez, c'est parti pour la course. Grosse qualif. Grosse qualif. L'heure est venue. Hey, je voulais te dire, t'as peut-être l'impression d'être en tête à tête avec ton volant, mais je suis là, je suis avec toi. On va montrer au Lake qu'on n'a pas peur de se battre. J'espère juste que, vu qu'il y aura sûrement une cinématique, que le jeu va pas bugger comme à chaque fois dès qu'une cinématique se lance. T'es comme chez toi ici. Je sais. Oublie pas l'opossum. Lui aussi, il fait partie de la bande. Mais ils nous emmerdent depuis le début avec leur opossum. Je sais pas pourquoi ils ont un kiff avec l'opossum depuis le début de. Depuis la toute première cinématique, ils parlent de l'opossum. Qu'est-ce qu'il leur a fait cet opossum? Hop. Des BM de partout, mais il y a trop de BM dans cette ville. Par contre, depuis Most Wanted, ils ont un truc avec les BM. Et ils ont un partenariat avec BM et ils te foutent des BM dans toute la ville. Tout le monde roule avec la même bagnole. Épreuve. Course de qualif, 2 flammes, 3 et 4. Évacuation, un sprint, oh, que des sprints, ok. Bien sûr, je vais prendre celle-ci. Attends. Bah, elle est pas à plus. Elle était B tout à l'heure. Elle était pas B dans le garage. Je t'ai dit qu'elle avançait pas, elle était à 6 quelque chose. Ah, peut-être que ça les améliore automatiquement pour les placer à la bonne gamme. 50 000 $. C'est payé, c'est raqué. L'argent est parti. Pour gagner ça.
une voiture des plus... Voilà, je... Que je veux pas forcément utiliser. Je la sortirai juste pour voir un peu ce que ça donne. Top 6, top 3 et gagner la voiture. Allez. J'ai hâte que ça commence. Sachant que ma voiture est rapide, mais je lui fais quand même rouler dessus par les autres. Hein. Ce jeu est constamment dans la difficulté. Je crois les suspects en chasse. Wow. Pousse-toi le petit écran là. Wow, wow, purée! Putain, il y avait des voitures partout là. J'ai rien compris. L'autre, elle a percuté une bagnole qui est venue percuter notre bagnole. Et il y avait une voiture cachée derrière encore. Mais bon, c'est que le début. Quand on dit quand c'est dans les 15-20 premiers pourcents. T'as encore une chance de remonter. Surtout que là, tout le monde s'était planté, donc ça devrait le faire. Ah, dommage, j'étais presque sur une barre. Voilà! La voiture, quand elle est en plein drift, tu te mets à sauter. Et ben en fait, d'un coup, ta voiture ne tourne plus. Elle reprend en fait son adhérence, du moins qu'elle a quitté le sol. Et là, comment c'est casse-gueule. Ah, c'est même pas encore une barre. Y'a rien à faire. Y'a une petite barre. Et ouais, mais je gagne une barre, mais en échange de quoi? Je vais perdre toute mon accélération. Bon, excusez-moi, est-ce que vous voulez bien prendre le saut, s'il vous plaît? Merci. Voilà. Là, tu interceptes qui tu veux et pas moi. C'est quand on est sur le point de gagner qu'on a tout à perdre. C'est vrai. Mais là, pour l'instant, c'est une belle ligne droite. Je pense que ça devrait le faire. Yes! Première, ça passe. Et je me tape une voiture. Ok. Première qualif, je suis premier, je suis content. D'après ce que j'ai lu, c'est la troisième qualif. C'est une horreur. Apparemment, elle est ultra dure. Justicia, elle est éliminée direct. Oh, j'aurais pensé qu'elle aurait été beaucoup plus loin que ça. Mais je me demande si dès le départ, en fait, elle s'est pas pris un truc et elle a été calmée direct. Mais oui, la troisième, apparemment, c'est une horreur. Donc, je redoute déjà. Ça passe. Exactement, ça stimule. Sauf quand ils sont à 5 flammes. Là, non, là, c'est chiant. Là, ils sont chauds bouillants. Waouh! J'ai fait n'importe quoi. On lâche rien. C'est topé, tcha-tcha-la, tcha-la, et tcha-la. Oh là, il m'a gêné. Bon, alors là, c'est tout le monde gêne tout le monde. Excusez-moi, non, mais on essaie de faire une course ici, on est des gens sérieux. On est des gens raisonnables, mais il faut pas pousser non plus. Hein. Voilà, on essaie de faire des choses bien, d'être des gens corrects. On essaie de faire une course sans blesser, sans blesser les gens, et vous venez foutre le bordel. Rangez-vous sur le techo. Oh là là, ma voiture qui fait n'importe quoi. Ah, ce qui compte, c'est être troisième de toute façon. Mais là, c'est n'importe quoi. Centrale, civil en danger. Civil en danger parce que tu viens m'emmerder. Il serait pas en danger si on était tranquille. Ici l'unité tout terrain, on prend les choses en main. Hop, c'est vous qui mettez tout le monde en danger actuellement. Est-ce que c'est le saut que je n'aime pas? En tout cas, la cible sait conduire. Bah justement, vu qu'on sait conduire, laissez-nous tranquille. Comme ça, au moins, personne ne sera en danger. Tout le monde conduit comme il faut. Tout le monde est poli et courtois. J'aurais pas honte de perdre contre toi. Ah, attends, je sais pas où est-ce qu'ils vont aller. Il m'inquiète. On est à combien? 94, c'est la fin. J'ai failli partir à droite. J'étais à ça de me dire. Mais c'est peut-être à droite. Pouh. Allez, c'est bon, c'est passé. Ah, ça mérite un petit kombucha tout ça.
Pour l'instant, on a fait premier. Alors, ça mérite pas un petit bonus, ça? Allez, c'est la dernière. Moi, je dis que ça mériterait un petit bonus. Genre un petit bonus, je sais pas, de 150, 200 000 dollars. Rien d'extraordinaire. Mais pousse-toi, toi! Oh! Il est parti où, lui? C'était partout, les flics, ils étaient chauds. Ils étaient au courant. Ils savaient qu'on allait faire une course. Qui est la balance? C'est toi, Tcha-Tcha, j'en suis sûr. T'as une tête à m'avoir balancé. Hop. Ah, merci, tu m'as remis dans le droit chemin. C'est bien pour la police. Ils m'ont mis dans le droit chemin, c'est ce qu'ils veulent, non? Oh non, mais par contre, tu vas te calmer. Centrale, on est touché. Il est agressif, ce flic, hein. Ah, ça, c'est la police américaine, hein. Je peux dire que c'est pas la française. Centrale, on peut pas continuer. Ah, neutralisé, bien. En plus, ça fait 2000 dollars en plus, c'est cadeau. Ici l'unité lourde, nous sommes les premiers sur zone. Voilà, j'ai pas compris où il fallait aller. Waouh, je m'y attendais pas. Oh là, j'étais trop bien en plus. J'avais pas compris où il fallait aller. Excuse-moi si j'ai pas l'habitude d'aller tourner dans les canalisations. Wow. J'essaie de suivre le panneau en même temps, je crois que c'est une connerie, hein. Il devrait me suivre la route, hein. Hop, c'est bon. Yeah. À nous la voiture. Bon, ça va, franchement, ma BM, elle a fait carrément le taf. Facile. Yeah, je suis bien là. Bon, j'espère qu'elle est pro-drift, celle-ci, parce que il m'en faut une, en fait. Quoi qu'elle a peut-être plus une tête à faire de la vitesse, elle a pas une tête de drift. Hein. Elle est faite pour la vitesse, elle est large, elle est ras du sol. Yunma. Est-ce que ça rame? Ouais, ou est-ce que ça rame aller? T'inquiète pas, ton fric est entre de bonnes mains. Ça a l'air de tenir. Je veux mes nouvelles pompes. Yo, Tess, ça roule? Si ça roule, les gens adorent parier sur des conneries, donc ouais, ça roule. Ma vidéo de Jazz et toi fait grave le buzz. Je croule sous les likes, je croule sous les subs, je croule sous le fric. Tu paries sur moi? Elle est complètement tarée. Pas seulement sur toi, je parie sur tout le monde. Attends, donc tu paries contre moi? Surtout, le prends pas mal, on n'est pas l'artiste. Amis, c'est je du business. Je sais que t'as niveau pour gagner, mais il n'y a pas de mal à parier sur d'autres pilotes. Si tu gagnes, on se fait du fric. Et si tu perds, on se fait quand même du fric. C'est bon, tu me suis? Ouais, je te suis. Mais qui gagne au final? Bah elle. J'aime comme tu vois les choses. Alec, le mec qui organise la course. J'adore cette fille, c'est lui qui gère les paris. C'est pas ta pote, ça elle est pas là pour être amie avec toi. Elle est là pour se faire de l'argent, c'est tout. Comme je l'ai dit à Raiden, je suis là pour gagner. Wow. C'était poignant. Par contre, je comprends pas pourquoi il y a des barres noires de chaque côté lors des cinématiques. J'ai deux, trois l'écran il est réduit. Donc paye-toi un bon steak et prépare-toi. Je te rappelle plus tard. Et elle est juste là, la voiture. Tu ouvres la portière, tu mets un coup de tête à Jazz et tu te casses avec. T'as juste à lui mettre un coup de tête. Alors qu'est-ce qu'on a récompense? À qui? Déchiré. C'était une boucherie. Je te le dis, moi. Rien de disponible. Ouais, mais en fait, j'ai tout ce qu'il faut en voiture. Attends, mais par contre, j'ai gagné encore une voiture. Peut-être que je les vende à force que réellement, elle me sert à rien. Tant que Jazz se soit retiré. Ah non! C'est celle-ci que j'ai gagnée? C'est plus de la course. Enfin.
C'est pas comme que ça, quand on la voit comme ça et quand on la voit comme ça, excuse-moi de pas l'avoir reconnue. Je suis pas d'accord, mais je comprends. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben non, elle est drift. Pourtant, avec sa gueule comme ça, j'aurais plutôt dit qu'elle était vitesse. Mais elle va pas du tout aller drift à fond. Eh ben, pas mal. Au moins, j'ai une... Ouais, mais elle est A+. Si j'arrive à la monter au maximum et avoir une voiture de drift pour les A+, ça pourrait être pas mal. T'as vu, j'ai l'impression que le jeu, il saccade. Pourquoi il est plus très fluide d'un coup, là? Ah, je sais pas. Le jeu perd en fluidité. Qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle journée? On a déjà une étoile, donc directement on commence une étoile et à la fin on gagne une GTR. Ouais, pourquoi j'ai acheté une GTR que j'ai débloquée alors que je peux la gagner dans, à la fin de la semaine? Qu'est-ce qu'on a comme course? Du A. Ah, il y a du S. Ça pourrait être intéressant de tester une S pour voir. Ici on a rien, et là il y a du S. Ça pourrait être intéressant d'aller tester une S. Changer de voiture. On récupère la bonne. Style, carrosserie. Kit carrosserie, qu'est-ce qu'on a? Ce serait trop bête de se planter maintenant. Ils ont foutu des phares à l'avant de la bagnole? Ouais, je sais pas pourquoi le jeu il rame d'un coup là. Putain, pour le live il rame. Ouais, bah franchement je sais pas. Celui-ci il est simple, mais celui-ci ouais. Attends, il n'y avait pas un truc sur le toit, c'est quoi ce truc sur le toit? Ils ont mis un petit gyro? Ils ont cru que c'était une voiture de police? Modifier la carrosserie, qu'est-ce qu'on a? Pare-choc avant. Donc celle avec toutes les petites lampes, ouais. Alors là ça serait, on a caché les lampes, là on a mis, là on les a laissées. Ok. Ok, c'est pas mal. Capot. Ouais, fais voir la voiture. Ouais, je sais pas quelle est le plus jolie. Hein. Si, c'est celui-ci en fait, je sais quelle est le plus jolie. Les vitres, les feux, est-ce qu'on peut les modifier? Non, ça aurait été quand même un peu dommage. Les jantes, franchement, j'ai envie de les laisser, c'est des jantes Ferrari, pourquoi j'irais les changer? Jupe latérale, j'ai ça ou ça, donc c'est très limité, donc réellement... Oh, attends, il y a un truc qui m'intéresse. Ouais. Je voyais ça plus fun. J'ai l'impression que c'est exactement les mêmes, sauf que là, il y a des trous, il n'y a pas de trous en fait. Ah non, il y a le bas aussi qui s'élargit. Ok. Après, c'est juste pour le design. Je dis qu'un kit carrosserie, tu gagnes du temps. Bon, pour l'instant, je m'en fous. Quoi qu'une petite cascade, kit carrosserie, ça pourrait être pas mal, mine de rien. Qu'est-ce que je m'embête. Déjà, modifier le texte. Parce que je sais pas pourquoi. Alors, ça, c'est un truc qui est un peu naze. Ça ne garde jamais en mémoire. C'est toujours à moi de changer. Modifier le cadre. Non, je veux pas de cadre. Je veux une plaque. Ouais, un truc stylé. Ouais, c'est pas mal ça, petit Mont Fuji. Tout gris. Ouais, non, ça fait tristoun quand même. Vermont, ouais. Ils ont des belles plaques quand même, comparé à chez nous. Hein. Tout designé. Oh oui, tiens, on va mettre un petit côté comme ça. Vas-y, je paye, je mets l'argent. Oh, elle fait grande par rapport à la voiture, c'est dégueulasse. On voit bien que c'est pas prévu pour ce genre de plaque. Et aileron, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est mignon. Attends, j'aime bien voir la voiture quand je le fais. Oh, c'est laid! Oh, c'est laid! Ah, franchement, je vais pas me faire chier, je vais partir sur la carrosserie tout fait. Franchement, on va pas s'emmerder, ça va partir là-dessus. C'est 49 000. C'est 49 000 euros bien investis. Hop! Ok, elle est déjà au plus bas, de toute façon la bagnole. Effet de pilotage, qu'est-ce que j'ai débloqué? Celui-ci. Vas-y noir, vas-y c'est beau ça. Et c'est parti, on part à l'aventure.
20 000 à se faire ici. Mais le problème, c'est que je connais pas encore la voiture. Et ça, ça me... Ça m'embête un peu, parce que je connais pas la voiture. Le meilleur, c'est d'apprendre sur le tas. C'est pas ce qu'on veut. Eh ben, ça a de la gueule. Ici le central. Nous avons demandé l'aide de patrouilles supplémentaires pour lutter contre les pilotes clandestins. Bonne ouais, c'est des petites lampes à la main. Allez, vas-y, ça a de la gueule. Bon, on directement, on va passer... Oh la vache, oui, elle patine quand même. Hop, on passe directement devant la police. Frôler 6 véhicules. Waouh, oh la vache, elle colle au sol. En 3 secondes, d'accord. Ça va être tendu. Alors, elle colle au sol et en même temps, elle dérape, c'est trop bizarre. Bien. Elle roule quand même pas trop mal, sinon, à côté de ça. D'un côté, elle est S, hein, donc il vaut mieux pour elle qu'elle roule bien. Faut juste que je m'habitue, à mon avis, c'est au dérapage. Le problème des voitures là, c'est quand tu te mets à drifter, elles sont beaucoup plus dures à garder dans l'alignement. Elles ont tendance en fait à vite raccrocher et partir sur le côté. Il faut juste que je m'habitue à ce petit détail. Ouais, tu vois, ça, elle dérape rien, elle s'arrête. C'est un autre type de jeu. Par contre, elle roule. Ils ont même pas le temps de me repérer. Après, d'un côté, quand t'as une ferraille qui passe à côté de toi, tu dois le savoir que. Enfin, tu me vois passer à 250 km/h. Tu devrais savoir que c'est bien c'est moi que tu recherches. Hop, les... ouais, il faut que j'aille sur Fairway pour. Si je veux pouvoir faire la mission. Ah, elle est belle. Hein. Pour réduire le temps de réponse belle. Des patrouilles et éradiquer la criminalité. Vous pouvez me croire. J'ai hâte de voir ce qu'elle va donner en cours. Jamais. C'est sûr, tu préfères jouer avec la vie des gens en augmentant. Quand est-ce que j'ai débloqué 250 dollars? Ok, ben on va voir ce que ça donne cette voiture. Comment elle est classée? 1150, mais le problème c'est que c'est ma première course avec cette voiture donc je la connais pas. C'est quoi comme type de course en fait? J'ai même pas regardé. Course de rue, donc vitesse. Ok, bah c'est quoi? Je commence. Oh là là, ces étriers. Ok, faut juste que je m'habitue à l'accélération, enfin à être bien dans le vert. Et bah déjà en accélération c'est pas la plus rapide la mienne. Oh la vache. La fois enfin je m'habitue hein. Elle accroche tellement. Le drift c'est vraiment pas son truc. Et je crois que rouler faire du hors-piste c'est vraiment pas son truc non plus. À quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée? Tourne rien du tout. Oh la vache, elle tourne rien. Elle est collée au sol. Ouais, ça va être, c'est mal barré cette première course. Je pense qu'il va falloir que je la refasse pour m'habituer à la voiture. Parce que là je me fais mais je me fais rouler dessus, je suis troisième. C'est bientôt la fin. Tu veux mon fric? Tu peux toujours rêver. J'étais quatrième, je suis vraiment nul. Troisième. Pousse-toi. Oh là là, mais non! J'ai envie de recommencer tout de suite, ça m'a déjà déprimé. Des fois elle tourne et des fois elle tourne pas du tout. Elle est où? Elle est à 200 mètres, c'est fini. Ok, la course est terminée, elle est à 200 mètres. C'est... tu peux pas, à moins de se planter, tu ne peux pas la rattraper. Allez. Mais bon, qui ne tente rien à rien. En plus, il y a combien? Ouais, bon, en plus, c'est la fin. Non, mais je vais finir quatrième, là. Honte. Non, je ne passe pas. Non. Non, non, non. Je dis non. Ouais, il faut vraiment que je m'habitue. Hein, elle dérape plus rien et des fois, elle dérape trop. Ça te dérange
dérange pas trop que je prenne ton fric. Mais je suis sûr que si on se démerde bien, il y a moyen d'avoir une course convenable. Attends, c'est quoi ce bordel? Ah, oh, comment gaspiller un recommencer? Comment je l'ai gaspillé? Honte sur moi. J'ai pas du tout suivi où il fallait aller. C'est là, on va pas se faire avoir. Là, c'est ceux qui me font tourner. Mais pousse-toi, mais bordel, poussez-vous. C'est quoi ces voitures qui sont en travers? C'est là, on va pas se faire avoir, il faut que ça dérape, mais pas trop. Oula, 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 la vue. La vue qui a changé. Non, purée. La vue qui a changé sans aucune raison. Il est à 200 mètres, c'est bon, c'est déjà fini. On va essayer de, tant pis, de sauver les meubles et au moins de finir deuxième. Tu dérapes au bout d'un moment en voiture? Faudrait que je change ces pneus et que j'arrive à la passer un petit peu drift parce que c'est ça se conduit tellement mal comme ça. J'essaye de déraper, je vous jure. J'essaie. Hein. On arrive en bout de course. J'ai paniqué tous mes redémarrer direct. Bah, je crois bien que si. Hein. Non, pas photo. Pas photo. Non, mais quitter, oui. Recommencer. J'ai déjà niqué 3 recommencer sur une seule course, c'est la première. Waouh, waouh, waouh. Le niveau, il est monté d'un coup et ma voiture, j'ai vraiment du mal pour l'instant. C'est la première voiture que j'ai en fait qui est plus route que drift. Je suis vraiment pas habitué à ça. Et je perds une vitesse folle quand je dérape. Donc il faut vraiment pas que je dérape. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est impressionnant. Allez, tu peux le faire. Que tu mérites mon fric. Dérape moins. Oh là là. Je l'ai senti qu'elle est partie direct. J'ai oublié de ralentir, c'est la première fois que j'ai une voiture qui m'oblige à ralentir comme ça. Si je pouvais te taper dans les fesses, toi, et pouf, te faire glisser, je ne dirais pas non. Allez, deuxième. Bon, c'est pas les 20 000, mais on fait avec ce qu'on a pour l'instant. Si monsieur la police voulait bien s'occuper de la voiture qui est devant, ça serait pas mal. Et il est tellement loin, mais il est parti. Il s'est envolé le premier. Il s'est envolé. Irrécupérable le premier. Irrécupérable. Il est parti tellement loin. Bon, après, j'avais pas choisi la meilleure course, hein, c'est sûr, à mon avis. Pour apprendre à côté d'une voiture, c'était peut-être pas la meilleure course d'aller directement sur les courses les plus dures. Le 1, s'il te plaît. Voilà. J'aurais peut-être dû commencer sur une course d'apprentissage avant de commencer directement. Allez, vas-y, j'envoie. Alors, drift, mauvais chemin. Voilà, tourne. J'ai essayé de tourner. Hein. J'ai tenté des choses. J'ai voulu prendre un parcours qui n'était pas forcément le bon, je crois. Hop, véhicule préparé.
Bon, on va pas traîner trop longtemps. De toute façon, j'ai largement assez d'argent. Je veux surtout changer ces pneumatiques. Je veux qu'elles soient un peu qu'elles puissent déraper parce que là, ça va être compliqué. Cette fois-ci, pas d'erreur, promis. Ici l'unité tout terrain. On va finir le boulot. On va bientôt devoir abandonner la poursuite. Appel à toutes les unités. J'essaie. Mais ça, j'arrive même pas à faire ce score, quoi. Oh là là, non mais. Intenable cette bagnole. C'est con, j'avais réussi à pouvoir les trois et toutes les étoiles. Alors. J'ai un boulot pour toi. Oui, je veux un boulot. Tu connais Shimizu ? Je veux de l'argent. C'était mon protégé avant toi. Quoi ? Il y a eu quelqu'un d'autre avant moi ? Comme ça, je fais plus de courses. On va changer les pneumatiques et on va en faire une voiture qui tient un peu mieux la route parce que là, c'est horrible. C'est largement Hop. Meilleur que la Youhou. Mienne. Je crois qu'elle est à 40% tenue de route. Hop, c'est par où, c'est par là. Oh, joli celui-ci, par une fois. Pour une fois. Ping. Et surtout, en fait, c'est que j'ai envie d'avancer dans l'histoire. Là, j'avance pas du tout assez. Suspect droit devant. J'ai cru qu'il allait me repérer. Bon, la route est pas par là, mais c'est juste que je veux voir ce que ça donne si je fais une run là-dessus. Ah, il faut une S+, hein, pour réussir à vaincre le champion. Sans S+, je pourrais pas obtenir toutes les étoiles. Mais tout ce qui est course radar, pour l'instant, en fait, radar, vitesse et tout, ça sert à rien tant que t'as pas des S+, parce que forcément, ta voiture sera jamais assez rapide, donc tu vas t'entêter pour rien. Autant faire tous ces trucs-là, même les sauts, autant tout faire à la fin, une fois que t'as la voiture qui est largement assez rapide pour faire des trucs de fou. Toute la partie avant, ça sert à rien. Je passe. Je m'arrêterai après. C'est par là. En fait, pour faire des. Il faut un bon coup de frein à main pour qu'elle parte vraiment cette voiture. Pas de c'est qu'en faisant ça, elle drille, enfin elle dérape, mais trop. Et elle se trouve totalement en travers, donc je perds en vitesse, donc ça ne sert strictement à rien. Il faut vraiment que ça soit collé au sol. Attends, elle est où la voiture? Hop, poussez-vous. Elle est là. Bah, attends, c'est pas. Bah, attends. Ah non, c'est pas la mienne, c'est mieux, c'est la gamme au-dessus, j'ai l'impression. C'est la gamme au-dessus. C'est pas une voiture de pauvre comme moi. La Ferrari, bah allez, tout de suite. Livrer la voiture. 1,40. Mais ça va me permettre de débloquer la Ferrari. J'ai même pas réussi à être dans le vert. Elle part tellement vite en accélération que j'arrivais pas à avoir le bon cran. Oh la vache. Ça si à l'arrache. Quoi? Bah comment ça je l'ai pas eu? J'ai même pas fait qu'il y était de toute façon, c'est passé trop vite. La vache. Oh. Tellement vite. C'était tout droit, j'espère, hein, parce que réellement je ne vois rien. De la bête. Quand je repense à ma pauvre petite Eclipse du début et des voitures comme ça, c'est tellement le jour et la nuit.
C'est un coup de briser la nuque à l'accélération, ça. T'arrives à l'hôpital, qu'est-ce que vous êtes arrivé, monsieur? J'ai accéléré avec ma voiture. Hop, deux cervicales de brisées. Oh. Totalement au pif. C'est la première fois que j'ai pas à voir l'or. C'est dingue. C'est la première fois que j'ai pas l'or. Dans le mur. Avec un peu de chance, j'aurais remonté le temps. Hey Rydell, c'est fait. Ouais, un vrai bijou, bijou cette mais Ferrari. Complètement incroyable cette voiture. Je crois que ça lui a fait mal de le dire, mais il a été obligé d'admettre que t'as bien bossé. Merci. Vous étiez proche à l'époque ? À l'époque, c'est pas si vieux que ça quand c'est même. Quoi, sur le c'était toit. Au début des années 2000. C'est vrai, t'as connu cette histoire de bug de l'an 2000. J'avais pas sens que c'est tout sur le toit. Vous avez vraiment cru que les ordis allaient déclencher la fin du monde ? Ouais, c'est même pour ça qu'on a fait la fête comme en 99. Bon. Vous parlez trop. Je suis ici, il y a des flics de partout. Est-ce que ça vaut le coup d'aller se promener ? J'ai pas l'impression. Il y a celle-ci, hein. Ah, c'est du drift, attends, ma voiture n'arrive même pas à déraper. Okay. Qu'est-ce que tu veux faire? Hop, ça dégage. J'ai envie d'enlever le manteau de mon perso. Vêtements, vrai, tous les vêtements. Qu'on fait pour virer? C'est tout, Mathéo, ça. Tu voilà, on va les virer, on va la mettre tranquillement en t-shirt et je voudrais lui mettre une tenue. Oh, monsieur Rides, découvre les réseaux sociaux. Y a pas une tenue un peu mieux que ça. J'aimerais bien lui donner un petit terre de tueuse en série Attends, écoute ça. Chinoise. Fast and Fury 23 qui dit Matteo est trop Fast and Fury. Oh, le clin d'œil. Je lui dirai merci. Et devine un peu ce que répond Nurse of Will. Je sais même pas de qui j'ai tu parles. J'ai envie de lui donner un style, mais non, je il pourrais répond, pas. Matteo est trop con. Quoique, c'est con parce qu'il n'y avait pas la bonne couleur. Ça aurait été en noir, ça aurait pu le faire. Quelle horreur. Bon, ça va. Quelle horreur. ça m'a tué tellement que c'était moche. Oh la vache. Il y a des gens qui adorent, ça se trouve. Et je trouve très joli ce pull. Il est tout bête, mais je trouve très joli. Ah, il n'y a rien pour faire un style psychopathe. Avec ses petites lunettes rondes comme ça. Il n'y a rien du tout. Hein. Et il y a quoi au tout début? Sinon, tant pis, elle va rester comme ça et puis voilà, ça ira très bien. Bon, tant pis, vous savez quoi, elle va rester comme ça et puis. Et puis merde, c'est tout. Il n'y a pas de tenue pour donner des têtes psychopathes, et ben je suis déçu. Je suis déçu. Donc pour l'instant, elle va rester comme ça. Hop. Voiture. Performance, style. J'arrive juste à savoir ce que c'est. Attends. Peinture, habillage. Ah, je suis obligé de supprimer l'habillage. Modifier l'habillage. Je vois. Non, je peux pas. J'avais dit quoi? C'était les pneus. Est-ce que je peux changer les pneus sans avoir à modifier que la tenue de route? Le problème, c'est que je peux rien modifier. Oula. Je peux vraiment rien modifier. Donc, il faudrait que je modifie les pneus. Mais je crois que si je modifie les pneus, ça change sa classe. Et ça, ça va être problématique. Oh, ça diminue un tout petit peu, c'est pas grave. Vas-y, achète. Hop, tenue de route. Et ça me permet... je peux rien modifier pour autant, tu te fous de moi? Arrête de vouloir modifier ça. Voilà. Si elle est passée de 40 à 20%, c'est déjà c'est mieux. Enfin, de mon point de vue à moi, c'est mieux. Mais c'est pas fou non plus. Je pensais pouvoir l'améliorer, la modifier plus que ça. Fais voir un truc, pièce. Si j'améliore au pire le garage. Si je passe en élite. Eh ben, on voit pas. Je peux pas savoir.
ça change rien en fait, c'est exactement pareil. Si je la passe en élite, c'est juste que je regagne mon, mon 1 point, mais elle reste à 20%, je peux pas la descendre, la rapprocher plus du drift. C'est vraiment pas une voiture qui est pensée pour ça, mais bon, on a déjà un peu amélioré, du moins mon point de vue à moi. Allons faire un petit tour la nuit. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ici c'est quoi? Parce qu'il faut pas oublier que pour l'instant je me fais fumer hein, sur les courses. Hein. On va essayer, hein, mais pour l'instant c'est pas la folie. Faut que je la prenne en main déjà avec ce nouveau pneu en espérant que ça passe mieux. Ouais, il y a une police par ici, c'est quoi cette histoire? Et d'un. Et de deux. Non mais ça va aller au bout d'un moment. Et de trois. Je voulais, j'ai mis j'avais mis mon joystick de l'autre côté. Hein. Mais la voiture, elle m'a dit rien à foutre. Moi, je tourne. Si je veux aller à droite, je vais à droite. Excusez-moi. Je voudrais juste voir ce que ça donne si. Ouais, si, je préfère quand même. Ouais, si, ça se contrôle, on va dire au moins. C'est le bon côté, c'est que ça se contrôle. Tout à l'heure, quand je partais en dérapage, c'était un petit peu du hasard. Alors, j'ai voulu couper à travers le champ pour éviter la police, mais je crois que c'est complètement con de ma part parce que maintenant. Mais avance! Derrière ces formules choc et ces airs de Sainte-Nitouche, Madame le maire, par où je vais aller pour t'esquiver, toi? Votre regard des vrais problèmes, mes amis. Il est peut-être temps que la police de Lakeshore s'intéresse aux criminels corrompus qui dirigent ces rues. C'est moi le live lag un max. J'ai l'impression que la capture lag. J'ai même fortement l'impression que ça lag. Eh merde, il m'a repéré. Notre suspect refuse de s'arrêter. J'ai besoin d'aide. Notre suspect est au volant d'une Ferrari. Parti du mauvais côté. La présence de notre suspect à cette série fort. Ici, oh. Tout terrain. On vient vous aider à arrêter la cible. Bah, la cible pour l'instant elle est sur le dos. Je suis pas là! Je suis pas là! Hein, je suis pas là! Vous êtes trompé de maison! Vous vous êtes trompé! Est-ce que j'arrive à les lâcher? Bon, le truc est là, fait chier! Est-ce que je les lâche facilement? Je les lâche facilement quand même. Oh merde! Ah là, je l'ai vu apparaître au dernier moment le. Mince le rocher. Ça lag toujours ou ça marche mieux? Je vais voir ça, la capture. J'ai du mal à me rendre compte, j'ai l'impression que ça lag toujours un petit peu. Faut que j'arrête avec kombucha, je vais être surexcité encore. 12 000 l'inscription. Alors Lyric, à la fois, il m'a fumé. Donc est-ce que c'est pas un peu dangereux de le refaire un défi contre lui? Je vais d'abord prendre Medusa. Pour me donner à peu près une idée. Côté à côté, je peux même faire chier, c'est le même prix. Hein. Et on va essayer d'apprendre à connaître nos adversaires maintenant. Ce qui est dommage, ils n'ont pas des caractères propres. Genre, il y en a certains qui sont beaucoup plus agressifs, d'autres qui respectent plus les règles, tout ça. Ça aurait été cool. T'as pas peur d'être ridicule? Bah, je crois que Medusa, elle est chaude bouillante. Hein. Oh la vache! Elle est partie comme une fusée. J'ai bien fait de pas parler contre elle, j'ai l'impression. Alors la police directe. Les mecs ne lâchent rien. Voiture? Bon, on va rester comme ça, mais je sais pas ce qui s'est passé. La voiture ne voulait plus tourner. Elle était bien en ligne droite. Mais des fois j'ai l'impression que le comportement en course et hors course, la voiture elle est pas pareille. Comme si le jeu en fait, pour rendre les courses un peu plus difficiles, eh ben, il modifie un petit peu les caractéristiques, je sais pas. C'est trop bizarre.
Mais là, j'ai voulu tourner, mais non, la voiture, le joystick à fond, hein, mais tout droit, apparemment, c'est mieux. Hey, tout à l'heure, je dérapais quand je faisais ça. Pourquoi là, je dérape plus? C'est quoi ce bordel? J'ai beau essayer de déraper. On est d'accord que la voiture, il y avait une voiture devant moi qui a disparu. Je ne comprends plus rien. Le jeu m'a perdu. Je n'arrive plus à le comprendre. Là encore. Putain, le mec s'est arrêté. Je comprends plus rien. Le mec s'est arrêté. Tourne, bordel. Pourquoi elle dérape plus? Ah bah non, je me pose plutôt la question inverse moi là actuellement. Si ma voiture tournait normalement, je te dirais peut-être pas ça, mais là... Ah, ils sont tellement loin. Ils ont tellement pris la tangente. Mais là, entre la voiture qui s'est téléportée et la voiture qui s'est arrêtée totalement... Allez, dérape, dérape, c'est bien, c'est quand tu veux bien. Elle fait plus les mêmes dérapages quand je suis hors course, c'est sûr et certain. Quand je suis hors course, tout à l'heure j'avais jamais fait des drifts, elle driftait trop bien. Et là, je comprends pas. Oups. Je sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi dire. Mur invisible après, je ne sais plus quoi dire. Le jeu m'a tué sur toute la course là. La course a été buggée de bout en bout. Je ne sais que dire. Alors, entre la voiture qui s'est épée, la voiture qui s'est bloquée, alors je sais même pas où est-ce qu'elle était, hein, parce qu'il y avait eu rien, qu'il y avait pas eu, il y a pas eu d'accident, il y a rien eu, juste le bouton du mec ne bougeait plus, le mur invisible sur la fin, ma voiture qui ne tourne plus, clairement j'étais en train de tourner mais la voiture elle va tout droit, je sais plus que dire là, je ne sais que dire. Je pense qu'il est temps d'aller se coucher dans ces cas-là. Franchement, je sais plus quoi dire. Mais par contre, là, encore une fois, là, j'ai ma voiture qui est explosée. Ah. Et il va falloir vite, une station. Sinon, je m'en sortirai pas. Soit une station, mais en tout cas, il me faut quelque chose. Unité d'interception, nous arrivons sur saut. Centrale, ici l'unité banalisée, on est là. Tu n'es pas là du tout. Moi je me casse. On se fait mettre à l'amende par une seule personne. Regardez, là elle tourne bien, elle glisse. Mais c'est contrôlable. Donc réellement je ne sais pas. Dites-moi s'il y en a qui s'y connaissent vraiment dans tout ça. Est-ce que le jeu change? Est-ce qu'on peut rentrer dans le code du jeu pour voir s'il y a des modifications entre course et hors-course? Merde, Rydell. Alors. Pas que les pièces détachées coûtaient aussi cher. Bah moi, ce que j'ai, c'est que ma voiture, j'en suis moyennement fort. Voiture de compète, ça coûte une blinde à construire. Alors, course A. Tu peux trouver des petits jobs si tu veux. Te vexe pas, mais ça rapporte pas assez. C'est où la grosse course A? 24 000 face à face. Tu ne risques rien à rien. Je peux gagner 12 000 direct sur celle-ci. Par contre, où est la course? Apparemment, il y a une grosse course argent à se faire. Où est-ce qu'elle est? Et apparemment, c'est une course A. Bah merde, elle est où? S? Là, il y a du A. Attendez, je suis pas fou. Là, il y a un truc. Maximum de pognon avec course A. Maximum poder. Mes voitures, on va essayer de prendre une voiture de classe A. Fais voir.
Ah, c'est ici. Des courses apparaissent dans ces cas-là. Enjeu élevé. Mais c'est pas celle, c'est celle-ci. Attends, je ne sais plus. Que là, j'ai 24 000. Pourquoi j'irais faire celle-ci qui me rapporte 12 000? Ah merde, j'ai une A+ actuellement, je suis bête. Où est ma voiture de classe A? Elle est là. Viens voir. Qu'est-ce que ça apporte? A, maximum de thunes. Où est-ce que c'est? Mais non, mais dégage. C'est celle-ci? Mais pareil, c'est pas intéressant. Quoique, attends. Non, c'est pas intéressant, 4000, je gagne 12 000. Eh bah, je sais pas du tout. Toute la voiture. Hop, bah on va aller faire celle-ci, hein, le face-to-face. En espérant ce coup-ci que ça passe. Croisons les doigts. Face-to-face. Salut l'artiste. Dis, je suis en train de regarder nos comptes. On a un sérieux problème de thunes. Ça va, j'ai 318 000 dollars, ça va le faire. Serait temps de faire monter les enjeux. Pourquoi j'ai l'impression que ça va pas plaire à Rydell, ça? T'en fais pas, je vais pas prendre le risque de perdre ma boule au départ. Pas juste avant le Grand. J'ai failli percuter la police. J'ai préféré me prendre la bagnole. On va faire ce mur invisible. Attends, je vais essayer de me reprendre. Ah bah tout à l'heure ça m'a pas fait bondir, tout à l'heure ça m'a stoppé net. Il n'y a pas eu de petit rebond comme ça. Il y aurait un petit rebond comme ça, j'aurais préféré à choisir. Oup, allez. Où est-ce qu'il est ce panneau? Apparemment il est là. Là il y a un panneau aussi, moi je l'ai déjà fait peut-être celui-ci. Je passe au-dessus. Je vais trop vite. Non, le jeu, non. Si je commence à devoir choisir la voiture pour faire les bonnes missions. On va prendre moins d'éléments. Une pizza entre amis. La liberté, c'est tous ces petits plats. Je sais même pas si je vais trop vite, si je vais pas assez vite. Je sais. Allez, non, mais ça va me rendre fou. Pour croquer la liberté à pleine dents. Ça va me rendre fou, hein. Je sais pas si je vais trop vite, si je vais pas assez vite. Et regardez là, comment la voiture elle peut déraper, comment elle fait mumuse. Aussi, on va y aller tranquille, je vais rester en deuxième. Voilà. Pas trop vite. Mais assez vite pour que ça tape quand même. Voilà. Et je crois que j'ai une mission en plus, rester en l'air. Il y a 80 panneaux, j'en ai quand même 55 juste comme ça. Donc on se rapproche petit à petit. Ah, la voiture qui m'a envahi. Des 80. Après, c'est pour tous les panneaux, ça donne une forte focus que je n'utiliserai jamais, donc ça m'intéresse pas. Radar. Je crois que j'ai déjà fait un score sur celui-ci. Ah bah non. Ah bah si. J'ai juste battu mon record personnel. C'était pas par là. Là, je l'ai eu. Par contre, c'est ma carte. Hein. Elle devient illisible. Maintenant, justement, j'ai de trucs. Là, je vais vous montrer, mais elle devient illisible. Si je mets les collectors pour te repérer, comment c'est le bordel. Et tu peux pas trier. Tu peux pas mettre un filtre pour dire, moi, je veux qu'il y ait que ça ou que ça. Ça, c'est complètement débile. Ils auraient dû mettre des filtres au moins pour que ça devienne lisible. Parce que quand tu commences à chercher des trucs, oh, comment c'est chiant.
voiture de course en visuel. C'est pas une voiture de course, c'est une Ferrari. Et c'est homologué. C'est pas parce qu'une voiture va à plus de 250 km/h que tout de suite c'est une voiture de course. Allez. Est-ce que, de toute façon, en tout cas, là ça vaut le coup peut-être de faire un pari parce que quand je gagne ou que je perde, c'est soit je gagne tout, soit je perds tout. Donc, prends l'argent. Prends l'argent. Face to face. Et que c'est vrai que ma Ferrari, elle est belle, hein, tout ce que tu veux. Hein. Mais au niveau accélération, c'est pas la championne. Tu prends la Corvette, elle est beaucoup plus efficace en accélération. Mais vraiment. Elle est une classe en dessous, elle est déjà à 2 secondes 9 pour le 0 à 100. Et en plus, tu peux l'améliorer pour la passer en S. Donc en S, elle tourne autour des 2. Tu peux la faire tourner, à mon avis, autour des 2,6, 2,5. En accélération. Et même en vitesse de pointe, je crois qu'elle bat la Ferrari. C'est vraiment parce que celle-ci, bah, je l'ai pas payé, donc ça m'arrange, hein, ça me va très bien. Non, oh, c'est bon, je l'ai eu. Je me suis fait une petite frayeur. Mais pour autant, là, c'est pas la meilleure voiture que j'ai. Je fais n'importe quoi, bon, en plein dedans. J'aurais pas pu faire mieux. Ouais, je pouvais pas faire plus joli que ça. Et comment je me suis démerdé, c'est parce que j'ai continué à regarder la voiture, alors j'aurais dû regarder à gauche ou à droite. C'est le truc qu'on apprend au permis. Surtout au permis moto. Toujours regarder là où on veut aller et non l'obstacle, parce que sinon tu peux être sûr que tu vas foncer dedans. Mais la voiture tourne. Allez, c'est bon, on recommence. Faut savoir rester détendu, hein. Il faudrait que je vous montre, il faudrait que je mette un truc pour que vous puissiez voir les boutons que j'appuie sur ma manette pour montrer à quel point des fois je suis à fond et que la voiture elle tourne pas. C'est à quel point c'est chiant. Elle est partie très très vite là par contre. On va essayer de couper à travers champ. Oh là là, mais remets trop droite. Ouais, on va pas faire comme tout à l'heure à mettre tous mes essais sur une course. Eh ben, t'y habitues pas. Tourne, voiture, bordel! Mais purée! Dans ce virage-là, à chaque fois, la voiture, elle tourne pas. Je peux pas tourner plus mon joystick. J'accélère plus, je freine. Je tourne mon joystick, je peux pas faire mieux. Je peux pas faire plus que ça. Après, c'est pour rentrer ma main dans le jeu et faire tourner la voiture. J'arrive un petit peu à gratter de la distance, mais c'est pas folichon. Je vais essayer de prendre beaucoup, je vais tourner bien bien à l'avance. Avec un peu de chance, peut-être que ça passera mieux. Apparemment oui. Mais tourne, bordel, voiture. Mais tourne. Mais tourne. Mais tourne, bordel de merde. Pourquoi tu tournes pas? Allez, on peut recommencer direct. Je vais niquer tout mes recommencer sur celle-ci. Je vais finir par casser mon joystick, hein, parce que j'appuie comme ça. Je suis même pas avec le pouce du, j'ai le pouce sur le côté pour essayer pour qu'elle tourne. Ah, j'ai déjà chié le démarrage. Voilà, déjà. Mais alors, non, ne me tourne pas ce coup-ci. Mais arrête! Ah, cette voiture qui se contrôle pas, elle fait sa vie, je ne fais plus rien, la voiture fait sa vie, je ne fais rien, elle tourne quand elle a envie de tourner, je ne la contrôle pas, elle fait ce qu'elle veut,
Des fois elle part à gauche, des fois elle part à droite, c'est comme elle, elle l'entend. Bon, on va quand même essayer de remonter ces derniers tours, hein, mais... Ah bah là, oui, je pense qu'il y a des chances, oui. Je vais essayer de prendre, je suis obligé de prendre, de vraiment anticiper les virages et tourner bien avant pour que la voiture tourne. Sinon elle tourne pas. Je suis obligé d'anticiper, mais bien à l'avance. Voilà, on va tout donner parce que là il faut la rattraper. Oui. Parce qu'il n'y a que comme ça que je vais peut-être pouvoir gagner. Voilà, hop, je prends pas de risque, je tourne, j'accélère pas. Vraiment, je ne prends aucun risque. Hein. J'accélère à peine dans les virages, je lâche l'accélérateur, je laisse la voiture tourner comme elle l'entend. Vous avez vu, elle part dans tous les sens. Je laisserai pas gagner. Là, j'accélère pas, là je la laisse rouler. Je laisse couler la voiture. Je crois que j'ai compris comment elle fonctionne à force. C'est quand tu prends un virage, tu n'accélères pas. Tu lâches les boutons, tu fais... Vas-y, roule ma belle, roule. Fais ta vie. Oh là là, mais quelle course. Quelle course nulle. Quelle course nulle, bordel. Ah, digne des plus grands. Je sais pas ce que valent les autres voitures, mais... quelle course. Faut que je reste 30 secondes en l'air, ce serait bien de faire un truc énorme, un saut c'est qui dure trop longtemps. Genre si je grimpe par là-bas. Ah, pourquoi elle fait jamais ça quand elle est en course? Franchement, tu te fous de moi? Pourquoi tu fais jamais ça en course? Avec des beaux virages comme ça, tout beau. Mais pousse-toi toi, qu'est-ce que tu fous là? Bah oui, mais qu'est-ce que tu foutais au milieu de la route? Qui s'arrête au milieu de la route comme ça? Qui s'arrête au milieu de la route? Voilà, totalement raté, la voiture s'y prête tellement pas. On arrête les bêtises. J'ai une flamme. Et je préfère garder mes flammes pour la nuit en général, parce que la nuit ça devient vite le bordel. Ici, c'est 20 000 dollars encore. Franchement, je gagne que dalle en niveau argent pour l'instant, mais c'est pas grave parce que j'ai gagné en fait suffisamment de voitures pour aller jusqu'à la fin. Donc réellement, gagner un max de thunes pour acheter des voitures, ça ne me sait plus l'utilité. Mais là, ouais, ça me fait 12 000 dollars. Ouais, mais attends, dès qu'on arrive en fin de semaine, l'argent il coule à flot. Mais vraiment, c'est le jeu, il te fait pleuvoir de la thune. Attends, on va juste remplir la mission. Envole-toi ! Envole-toi ! Voilà, ça c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Aïe ! Je suis à combien de secondes ? C'est ça que je cherchais. Voilà, par là c'est pas mal. Voilà les 20 secondes. Hop, on est à combien de secondes s'il vous plaît? 21 sur 30, tu te fous de moi? Attends, c'est l'émission du jour ou c'est... C'est tout, j'ai fait que quelques secondes. Attends, on va regrimper. Hein. On va se leur faire encore un coup. En espérant ce coup-ci qu'il n'y ait pas un mec qui veuille rester au milieu de la route. Oh là, j'ai complètement raté. On dirait un vieux jeu de bagnole à l'ancienne, où tu genre à la Gran Turismo quand tu te servais des murs pour pas te planter.
Ah non, ça, non. Dès que j'ai l'arrière qui touche, la voiture, elle se met droite, elle se colle au mur. Regardez, par là. Oh, papa, j'avais oublié que j'étais à chercher. Attends. Je crois que c'est tout ça qu'il faut que je prenne. J'ai jamais été en face. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un truc de fou? Je vais voir, pardon. Eh ben voilà, quelques secondes en plus de gratter. Oh, t'imagines dans la vie réelle, comment tu te fais défoncer là? Tu leur niques leur terrain. Pas mal. Oh, comment tu leur niques leur terrain? Nique le terrain! Et ben voilà, 30 secondes. Nick! Le terrain! Par contre, il y avait un truc à côté. Oui, je fais un truc qui avait. C'était pas du tout prévu que je fasse tout ça. C'était pas prévu. Et avance un petit peu là, mon coco. C'est passé! J'ai eu un doute. Franchement, ça devrait compter des points, des figures comme ça. Moi, je trouve ça quand même assez impressionnant. Tu fais un 3-6 avec une voiture, c'est pas tous les jours. Bonjour. Ça, c'est les moments où je me dis, t'es passant tranquillement, t'es en train de discuter avec des potes, et d'un coup, t'as une voiture qui débarque à côté de toi, comme ça. Comment tu réagis? Attends. Quelque chose me dit qu'il faut pas aller trop vite. Voilà. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de plus. Ma voiture, j'ai l'impression qu'elle avance plus. C'est un mur ou ça saute, ça? J'ai ma réponse. Je suis sûr qu'on peut passer par-dessus. Et je continue à dire, quand t'es la police, t'es toujours un mec comme ça sauter dans le vide. Est-ce que tu l'arrêtes? Ou est-ce que tu fais genre t'as rien vu et tu laisses passer en mode mais c'est bon, je suis trop vieux pour ces conneries. Genre tu vois passer ça. Oui. Moi je suis désolé, je suis trop vieux pour ces conneries. Hein. Là, c'est bon, c'est plus de mon âge. Hein. Regarde ça. Tu vois passer ça. Hop, 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 hop. Je vais finir ma voiture avant même d'avoir... Peut-être arrive à la planque. Oula, 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 non, non, c'est pas le moment. Eh merde. Bon, bah, je suis repéré. Notre suspect prend la fuite. Oh, j'ai qu'une flamme, ça va le faire. Appel à toutes les unités. Suspect repéré à Sébastien. Oh, merci. Centrale, ici l'unité de patrouille. On engage la poursuite. Super. Je me sens plus en sécurité là. Je suis sûr que ça se coupe. Je suis sûr que ça se coupe. Ça se coupe. Ça se coupe. Oh, quel dommage, c'était trop beau. Quel dommage. C'était tellement beau. Est-ce que c'est pas toujours qu'on voit une Ferrari faire ça là? C'était artistique. Je dirais même. Oh, petite récupération dans les airs. Aïe. Ma faute, j'ai mal cadré. Bon, à ton côté, j'ai gagné 31 000 $, c'est déjà pas trop mal. Le mec, je dois tellement le ruiner en pare-brise. Ça c'est fait. Le bon côté c'est que j'ai déjà l'argent pour la dernière course. Kevin est passé tout à l'heure. C'est quoi, c'est 100 000 je crois, l'inscription. Le je suis large. Kevin le décoloré.
celui qui fait la gueule. Je sais pas ce que je me rappelle jamais ce que c'est les symboles là. Il y a le A avec des D. Je sais pas ce que c'est. Franchement, je crois que c'est la semaine d'avant où j'ai gagné le plus. Et 5 flammes. 11 000, 15 000, 48 000. Le matin à 39 000, 34 000. Je crois que c'est là où j'ai gagné le plus. On n'est pas comme ça, nous. Là, c'est des petites sommes réellement que je gagne. Nous, on a un opossum, pas un rat. Ouais, ben voilà, c'était la folie. J'ai hâte d'arriver comme jusqu'à cette. Mince. Jusqu'à. Je crois que c'est une Skyline à la fin. Ouais, c'est la GTR. J'ai hâte de voir parce qu'à mon avis, elle va être extraordinairement belle. Mais ça, je vais l'avancer tout seul de mon côté. Parce que je vais devoir m'arrêter ici. Oh, ça lag, regardez. Oh, ça lag. Bah, pourquoi ça lag comme ça? Oh. Bon. Je vais m'arrêter là. C'était bien fun. Je vais avancer jusqu'à vendredi de mon côté. Je vais, comme à chaque fois, pour qu'on voit surtout les fins ensemble. Et après, ça ne sera plus qu'une semaine. Et ça y est, enfin, la fin du jeu. Parce qu'il faut que je le carbure si je veux pouvoir avoir le temps de finir avant. Il faut que je termine avant mardi. Parce qu'après, il y a donc le tournage de la vidéo Need for Speed qui va se faire. Donc, il faut que ça soit nickel. Par contre, j'aimerais bien savoir pourquoi ça rame comme ça. Ça me perturbe. Pourquoi tu rames? Hey, pourquoi tu rames? Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Si, c'est chiant. En tout cas, merci de avoir regardé ce live. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Si vous voulez voir la rediffusion, plus de vidéos, voir la future vidéo Need for Speed avec de la mise en scène, tout qui va arriver, allez voir ma chaîne TGD Thomas, Thomas Gaming et Découverte. Vous avez tout ça. Actuellement, j'ai fait déjà le test Pokémon avec toute la petite scénette qui va avant. Il y a le Steam Deck, pareil, où si vous voulez voir un petit peu du jeu d'acteur pour se marier entre potes. Et après, tous les jeux qui y a autour, puis tous mes tests d'accessoires, mes tests de consoles, les unboxings, il y a tout sur la chaîne. TGD Thomas, allez voir tout ça. Des bisous, passez une très bonne après-midi. Merci à ceux qui ont suivi le live et puis amusez-vous bien surtout. Salut.